Bienvenue les amis dans l'actu tous les lundis à 19h. Pour cette semaine, il y a du très lourd. On va pas se le cacher, je vous ai réservé ça pour la fin. On va parler des VCT, des VRL France euh, en particulier, euh, des petits trucs un peu sympas, il y a eu des mouvements en VRL France, des changements de joueurs et surtout la mise à jour. Je vais vous faire un petit peu euh, un tuto. Ouais, voilà, va y avoir du tuto aujourd'hui pour vous sur Valorant. Euh, qui est le meilleur smoker Est-ce que euh, Aujourd'hui, les smokers vont avoir leur place dans la compétition, dans la ranquette ce genre de choses. Et euh, si vous voulez venir euh, pendant l'émission, c'est tous les lundis à 19h. Et sinon, ben bah, on s'abonne à la chaîne Valorant, Valorant, la chaîne Valorant. Euh, alors, on va commencer par une petite news sympa. On va commencer par une petite news sympa. Alors autant sur CS:GO, c'était vraiment du boycott qu'on a vécu. Autant là sur Valorant, c'est pas ça. On a Riot qui fait don des ventes de Battle Pass euh, pour euh, l'Ukraine. Pendant une période euh, définie, du 5 au 12 mars, toutes les personnes qui vont acheter les Battle Pass et tout, tout l'argent sera euh, donné pour euh, l'Ukraine. Et il y a également un million de dollars qui va être distribué donc, à la Croix-Rouge, aux Médecins sans frontières et ce genre de choses. Donc beau geste de la part de Riot. On voit que les mecs font euh, du très lourd. Du très lourd. Voilà, du très très lourd. Euh, les mecs savent faire les choses. Chez Riot, euh, très honnêtement... Euh c'est beau. Voilà, franchement, c'est très très beau. Parlons des VCT. Euh, désormais. Euh, les qualifs VCT. Comment ça se passe un petit peu partout? On va s'occuper de la version euh, de la région pardon, NA. On peut voir que pour le moment, on a version 1. Ils sont trop chauds. 4 hein. matchs, 4 victoires. Sentinelle plutôt présent. Catastrophada chez 100 Thieves. 4 euh, matchs, 4 défaites. Ils se font. Insultés partout sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu parce que bah ils ont fait un peu de la merde. Hein. Ils ont fait venir Eagles d'Europe et tout. Ils les ont un peu maltraités un peu d'irrespect, j'ai envie de dire. Et ils ont dégagé. La surprise, c'est The Guard qui fait euh, 4 matchs, 4 victoires encore une fois, ou qui assure quasiment leur qualification. Euh, on a du Cloud9, tout ça, bon, tout est plus ou moins euh, homogène. EG aussi, 0-4, catastrophe chez EG. Euh, dommage pour un nom euh, aussi emblématique, aussi prestigieux, aussi euh, impressionnant. Euh, dans le monde de l'esport, de les voir euh, dernier comme ça, euh, c'est très triste. Euh, sachant qu'il y a 4 slots, bah, va vraiment falloir se réveiller, je vois pas comment ils peuvent, euh, je pense qu'ils sont éliminés, hein. les mecs en 04 sont totalement éliminés. Euh, donc le, le VCT EMEA, en tout cas en NA, c'est plutôt pas mal, c'est homogène. En Europe, par contre, ça se tabasse, hein, et vous allez voir qu'en Europe, euh, c'est beaucoup moins homogène que ça. Et plutôt, euh, plutôt serré même. Euh, les Turcs sont pas ouf. Les Turcs sont pas ouf. J'ai regardé même euh, SMB jouer. Et euh, j'ai été euh, quand même assez déçu. BBL, c'est pareil. On a G2 qui fait euh, une victoire. Euh, deux défaites, donc il va falloir qu'ils se réveillent G2 pour aller chercher euh, une qualification, mais les groupes sont quand même assez stacks et très serrés en Europe, hein. Ascend, Fnatic, Guild, sur le groupe B, ça se tabasse, et donc il euh, y aura forcément un de ces quatre-là qui va sauter, soit G2, soit Ascend, soit Fnatic, soit Guild, euh, Guild montre beaucoup de solidité, profondeur de map, euh, jeu très carré, solide, tactiquement, beaucoup plus élaboré que ce que proposent, euh, j'ai envie de dire, les autres adversaires, euh, depuis l'arrivée de ColdAmenta et tout, les mecs sont plutôt solide. Euh, pourquoi il n'y a que des 2-0 et ce genre de choses n'est pas euh, aussi avancé qu'en euh, NA C'est parce que euh, Riot a suspendu les matchs euh, du euh, au, euh, au conflit Ukraine euh, contre la Russie, parce qu'il y a des joueurs qui viennent des pays de l'Est ou alors des, des structures avec des staffs qui sont euh, russophones et qui viennent de ces régions-là. Et donc, euh, c'est suspendu. Euh en fonction de, des demandes un petit peu des joueurs et des organisations. Je vais vous montrer un petit, un petit round très intéressant qui m'a fait rire euh, la semaine dernière avec euh, BDS contre BGNUS euh, qui a vu BDS remporter ce match-up-là 2 à 0. Hein, les deux maps ont été remportées par BDS avec un énorme clutch totalement triple chicha-pomme. Donc euh, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur pour mon ami Bawan qui va perdre donc un... posé par BGNUS, physique 2v3 petite analyse, petit tuto pour vous faire plaisir. C'est parti. Arrive à exécuter ce Big au niveau de ce tube. Donc on est 2 v 3 on va s'attarder un petit peu sur le sur le sur la bombe plante. La, la bombe est plantée ici pour le main, d'accord, pour le main. Il n'y a absolument aucun point d'appui des terreaux sur le main. C'est déjà une énorme erreur. On a notre ami Darklight qui est en train de jouer les duels. C'est encore une erreur. Tout le monde joue les duels sur les adversaires qui doivent, je le précise, descendre des escaliers, se balader en plein milieu du BP, passer de l'autre côté, diffuser la bombe pendant 7 secondes. C'est le temps qu'il faut pour diffuser une bombe. Donc le temps de, de descendre, de se balader et d'aller diffuser, il y en a au moins pour 15 à 20 secondes. Une bombe dure 40 à 45 secondes, il me semble, sur ce jeu. Euh... Et Bigenius a décidé donc de prendre la partie et de la jeter à la poubelle donc très certainement que ils ont parié sur la victoire de BDS <laughs> regardez-moi cette, cette horreur regardez-moi cette horreur réarrive au niveau de ce site darklight au niveau de cette orange et maintenant donc là on a un joueur ici un joueur ici et un joueur en dessous c'est à dire que les mecs s'ils ils descendent ils sont dans un triple crossfire c'est imperdable c'est imperdable 2 2 con, contre 3 pardon qui va falloir -opérer. Ouais, ça va pas être facile de sortir de cette hauteur on est déjà bloqué au contact oui. et dès qu'il va y avoir des tirs de ki tout le monde va bon, bon, dark Light. Bon, Il ils sont en 3 v2 mais dans la tête note euh, sur 10 de cette abomination s'il vous plaît on enchaîne avec les notes. Euh, David P. donc fera son entrée chez BG News Parce que à la vue de ce clutch, bah, vous avez bien compris qu'il fallait du remaniement de, de roster. Et donc c'est Kyo qui, euh, qui est remplacé euh, par David P. Joueur plus expérimenté euh, et ce genre de choses. Donc euh, très certainement qui va apporter, j'espère, à cette jeune équipe. Euh, qui perd donc ce 3v2 absolument à Bomi. On avait un petit match-up aussi très intéressant entre Mandatory et Sector One. Il y avait une petite interview euh, la veille de mon ami Idex qui nous a lâché une bombe nucléaire en disant J'ai trop peur de perdre contre Mandatory. Full premier degré. Hein, full premier degré. Ce serait une honte de perdre contre Mandatory. Ce serait une première dans ma vie. Voilà ce qu'il a dit. Euh et bah écoutez, ils se sont affrontés et il a gagné 2 à 0. Donc l'histoire lui donnera raison. Petite news intéressante, je pense qu'il y a eu un communiqué donc officiel de la part de Riot et notamment euh, lors des qualifieurs de VCT. Et il y a eu une sanction à l'encontre des G2 qui auraient utilisé un bug et donc euh, qui perdent un match tapis euh, sur le round d'après. Euh, et c'est pour ça qu'ils sont en 2-1 d'ailleurs. De victoire, une défaite, c'est parce qu'ils ont perdu par forfait. Euh, qui aurait été utilisé par Kellogg's. Et que Kellogg, justement, s'est fait derrière Kiké pour aller chez euh, Heretics, il me semble. J'allais dire Giant. Non, c'est faux, c'est Heretics. C'est Heretics ou Giant Non, c'est Heretics. C'est Heretics. Gator, merci pour le sub. Merci pour le soutien. Merci à toutes les personnes qui viennent sur le Twitch pour, pour m'aider un petit peu à créer ces émissions, à, à produire quand même plus, de plus en plus de contenu. Ça me fait extrêmement plaisir. Euh, donc voilà, je ne sais pas si c'est lié le, la sanction. Après, etc., etc., etc. Donc, je vois énormément de, de, de commentaires de la scène espagnole sous le tweet. Je vous le mettrai, euh, vous le mettrai les gars. Tenez, je, je vous le donne là sur le, sur le Twitch. Euh, vous pouvez aller regarder un petit peu les réactions. Et vous allez voir qu'il y a énormément de gens qui disent euh, « Lol, Kellogg's, euh, ah, il utilise le, le bug, etc. » Il euh, y a pas mal de gens aussi qui se plaignent parce que, en fait, normalement, G2 aurait dû être disqualifié. G2, euh, en utilisant un bug qui, euh, qui s'attire un avantage, c'est considéré comme de la triche. Et en fait, il y a eu des précédents comme ça dans d'autres ligues pour d'autres clubs et il y a eu des sanctions totalement différentes avec des disqualifications pures et dures. Là, pour le coup, il y a juste eu. Euh il y a juste une défaite, il y a juste une défaite quoi, un match forfait. Euh, et les gens aussi se plaignent du fait que CG2, c'est l'orgue très certainement la plus euh, connue, je pense, en Europe à l'heure actuelle. Et, et donc ça se plaint pas mal. C'est des joueurs pros hein, qui, qui le disent, c'est pas moi. Et euh, donc vous l'avez tout dans la description. Donc euh, les amis. Euh je sais pas, j'attends vos réactions euh, là-dessus, j'attends vos réactions là-dessus, les amis, j'attends vos réactions là-dessus. Alors, là, on va se faire un petit kiff. Alors, on va se faire un petit kiff. Là, on va se faire un grand kiff. Un grand, grand kiff. Precise gunplay. Si je vous dis ça, à quoi ça vous fait penser Precise gunplay. Ouais, petite réaction rapide. Est-ce que euh, Valorant est un jeu de shoot précis C'est à vous de me le dire. Je vais vous play un, 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 un clip. Et on va se prendre du plaisir. On va vraiment se prendre du plaisir, ok On a euh, donc euh, un match en NA, NRG, etc. C'est parti. Donc là, on a un clic droit. On voit qu'il le hit, donc il est tagué. Donc là, il lui tire totalement dessus. La balle va au-dessus, d'accord Donc peut-être qu'il est en mouvement. Vous allez me dire peut-être qu'il est en mouvement et peut-être que c'est l'inaccuratie du mouvement qui crée ça. Là, il retire dessus, full accroupi. La, la balle disparaît dans l'espace là il tire dessus full accroupi deux fois full dans la tête les balles vont encore une fois dans l'espace Et là il meurt on va se le replay on va se le replay donc là il est dessus il est dessus il est dessus il est dessus Les calculs sont pas bons euh, kevin riot faut nous rendre les munitions il ah, faut, faut, faut nous rendre les munitions, euh, monsieur Riot. Donc, euh, moi, je déteste le Glock dans ce jeu. Enfin, je déteste le Glock dans ce jeu parce que j'ai l'impression d'être dessus, de pas toucher. C'est très bizarre. Euh, donc, ça, c'est l'inaccuracy des premières balles. C'est le fait d'avoir des, des sprays aléatoires. C'est pas que l'esprit, hein, c'est toutes les balles qui sont aléatoires. Même en tapping, les balles sont aléatoires. Des fois, elles vont aller à droite, des fois, elles vont aller à gauche, des fois, elles vont aller, aller au-dessus, en dessous du, du, euh, du, euh, du, du, du crosshair et ce genre de choses. Et, et voilà. Donc, ça, c'est arrivé à un joueur pro AZ, pour ceux qui ne connaissent pas. Ancien joueur de, 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 de CS, major player et ce genre de choses. AZ qui joue chez NRG à l'heure actuelle euh, sur la scène américaine. Et euh, ce genre de clips, je pense qu'il doit y en avoir des milliers. Ça doit arriver à plein de gens euh, de temps en temps de ne pas comprendre pourquoi ça touche, pourquoi ça touche pas. Et très certainement que, voilà, là, on demande une petite mise à jour du gunplay, monsieur Riot. Moi, je demande ça depuis la bêta. Euh, voilà, donc j'avais notamment parlé. Euh, de la rapidité de déplacement des wallbangs, du tagging de l'aim punch une grande partie de ces choses là ont été justement euh, mis à jour euh, pas tout euh, pas comme je l'aurais préféré je dis pas euh, souhaiter, en moi je souhaite des choses je suis exigeant mais il euh, y a eu une amélioration de pas mal de choses mais maintenant monsieur là il faut il faut nous arrêter de nous sortir des agents des maps et tout il faut nous faire un gameplay faut nous faire un gameplay un gameplay propre euh... Là je comprends pas, parce que là je comprends pas ce genre de choses. Passons désormais... À la mise à jour et au tuto. Et au tuto, les frérots, parce que il s'est passé énormément de choses. Donc, je vais lancer Valorant et on va parler tous ensemble des Smokers. On a Omen qui a été modifié. On a Brimstone qui a été modifié. On a Astra qui a été modifié. On a Viper qui a été modifié. On a Yoru. Yoru a eu un buff absolument énorme. L'agent est viable. C'est le mot que je vais utiliser. L'agent devient viable. On a Icebox également qui a eu une énorme un énorme changement. Plutôt positif, je trouve. Euh, voilà vous le voyez ici hein, vous le voyez ici avec euh, l'ancien lobby l'ancienne entrée et aujourd'hui qui est totalement changé qui vient ici donc ça change totalement les lignes et tout je vais lancer mon jeu voilà, je vais lancer mon jeu les amis et on va aller tout simplement sur Icebox je vais prendre également des smokers je vais vous montrer ce qui a changé entre les smokers et je vais vous faire une tier -ally. je vais vous changer les idées un petit peu je vais vous faire comprendre des choses que personne que je sais pas dont personne parle c'est un truc qui me rend ouf aujourd'hui quand il y a des agents on veut savoir qui est le plus fort qui quel est le plus viable qui c'est qui va te permettre de faire plus de kills qui est-ce qui va te permettre de gagner etc alors que là euh, je vais très certainement mettre un point euh, dans quelque chose que très 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 très, très peu de gens regardent, font attention, parce que euh, je ne sais pas, les gens sont peut-être euh, pas assez intelligents. Pas assez intelligents, je dirais. Je vais pas dire idiot, mais je vais dire pas assez intelligent. Donc là on est sur Icebox, ok Je vais vous montrer les, les mises à jour sur la map et je vais vous montrer un petit peu euh, des choses. Plutôt intéressante avec euh, Brimstone, tiens, avec Brimstone. Alors, on a notre ami Brimstone qui a vu un buff. On peut déjà voir, déjà on va parler de la nouvelle mise à jour. La mise à jour fait que là il y a une rampe désormais, euh, le mid est beaucoup plus. Euh, la rampe du mid, là le boiler est beaucoup plus étroit. Donc désormais on peut prendre, mettre une smoke comme ça, et avec une smoke de brimstone bloquée. La smoke de Brimstone elle aussi est beaucoup plus grande pour être un peu plus homogène et matchée avec celle d'Astra et celle d'Omen euh, pour qu'il le rend un peu plus viable en termes de smoker. Parce que des fois elle était trop petite et il y a des maps où Brimstone est absolument pas viable, comme Breezy, comme Icebox euh, l'ancienne Icebox, alors que maintenant Icebox a été modifié. ici le mur a été rabaissé pour justement éviter d'avoir des lignes de mecs en haut qui voient les pieds et qui avaient trop d'avantages on a une, une caisse ici, en plus à des zonées, qui fait euh, un point d'accès on peut créer un crossfire, ce genre de choses en écho, donc va bien falloir attention quand on est hétéro désormais de mettre, euh, de mettre un peu de stuff pour, euh, pour vider la zone, moi bah, je vous apprends une petite mollo les frérots, ça me fait plaisir euh, on a exam euh, le. Ici. Euh, je ne saurais pas comment. Le pipe. Le pipe qui a été modifié. Désormais, on peut plus sauter. Avant, quand on avait le surnombre sur Icebox et qu'on débarquait sur la map, il y avait des joueurs qui nous euh, jouaient les duels d'ici. Il y avait des joueurs qui jouaient les duels d'ici. Et il y avait des joueurs qui pouvaient jouer le duel d'en haut, comme ça. Et toi, quand tu étais en défense, quand tu étais donc euh, euh, ici, tu avais trop de lignes à checker ce genre de choses. Maintenant, cette ligne, entre guillemets. Elle ne sert plus à ça. C'est juste une ligne pour les l'hétéro. Euh, voilà, je suis au chaud, on peut se parler, on est tranquille. Par contre, au niveau de la défense, on peut toujours venir là. Et si le mec veut, il peut quand même décaler, repartir. Donc ça essaye d'équilibrer pour rendre le, BP, euh, le BPA plus accessible, mieux défendable. Euh, et plus de polyvalence, euh, de crossfire, de setup pour la défense. On a la balise. La balise qui prend un buff. Et désormais, on peut courir beaucoup plus vite. Euh, donc ça va permettre euh, à Brimstone d'être un joueur beaucoup plus du collectif que ce qu'il était avant, d'être un support beaucoup plus complet que ce qu'il était avant. Au-delà de ça, la balise permet en terreau par exemple, en attaque, de pouvoir faire des rushs groupés, de pouvoir faire des exécutions beaucoup plus paquées, mais en défense d'avoir des rotations beaucoup plus rapides et d'entre de, guillemets de dire euh, euh, vas-y frérot, vas-y, vas-y, bouge en B, bouge en B. Et il y a quelqu'un qui prend, qui prend le, le TP là, comme ça là, et il court à la vitesse de néon par exemple et d'aller avoir et d'avoir une rotation beaucoup plus rapide et en terreau de faire une balise et de rusher tous ensemble euh, on a le a qui a changé euh, le, 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 le jaune a changé le bp a changé là ici on s'est reculé on peut planter safe aujourd'hui ici ça veut dire que sage peut ne pas être indispensable sur la carte euh, ici ça a été euh, rendu plus étroit aussi donc ça veut dire qu'avec une smoke on peut bloquer et avec celle de brimstone qui a été donc Grandit, donc on peut tout bloquer, ce genre de choses. Pareil pour la prise du B-Lobby. Euh, ça change totalement les lignes. Parce que toi, quand t'étais là-bas, bah, tu devais faire attention que à cette ligne et puis c'est tout. Alors que maintenant, les mecs peuvent être directement ici. Voilà, Omen il peut stepper ici ou ce genre de choses, ou une jet ou une raise et donc te faire sauter la ligne, toi en tant que défenseur. Et toi en tant qu'attaquant, tu peux bloquer directement une visu dès le début en bloquant la visu d'ici et en prenant le lobby, tout simplement avec une smoke. Donc, euh, Brimstone est viable désormais sur Icebox, Omen l'est aussi, Astral l'est aussi, euh, euh, et, pas, et pas forcément que Viper. Ça homogénéise le le pool de smokers sur toutes les cartes. Mais en fait aujourd'hui, il faut comprendre que ces smokers là, aujourd'hui, riot a réussi à faire que les quatre smokers, enfin, moi je dirais 3 hein, parce que je mets pas je mets pas je mets pas du tout Viper dans les smokers. Moi, je dirais que les trois smokers aujourd'hui, ils sont viables avec chacun un ADN prédéfini. Brimstone pour moi va être un support au Service du collectif, il va avoir de la mollo pour des zonés, il va avoir des smokes pour prendre de, 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 de la zone, de l'espace pour les execs, mais également pour le contrôle map. Il a des smokes qui peut poser instantanément, donc pour faciliter l'exécution, le travail groupé, le travail explosif des mecs qui aiment bien jouer en 4-1, groupé et de rusher tous ensemble. Omen ne permet pas forcément de faire ça. Astra ne permet pas forcément de faire ça. Donc, ce que les gens font qu'ils comprennent aujourd'hui, c'est qu'il faudra choisir pour une équipe ou pour vous individuellement le smoker. Qui correspond à votre ADN, à votre envie de comment vous jouez. Je vois trop de commentaires de gens qui se font passer pour des gens intelligents dans le jeu qui disent que Ah ouais, mais maintenant Omen c'est fort. Ah mais Brimstone c'est fort. Avant ils étaient déjà forts. Aujourd'hui ils sont équilibrés. Tout le monde est sur un même pied d'égalité. Mais surtout ça apporte un ADN à une équipe. Aujourd'hui Brimstone permet énormément d'explosivité en terreau. Et beaucoup plus de mobilité en CT, en défense. De pouvoir mettre la balise et de faire des rotations pour aller aider à droite, pour aller aider à gauche. On a également la range de sa Game Boy qui va plus loin. Aujourd'hui, on peut, on peut prendre sa Game Boy, on peut mettre des smokes d'un peu plus loin. Mais pas trop non plus, on n'a pas toute la carte comme en Omen, on n'a pas toute la carte pour une Astra. Ça prouve bien que Riot veut donner l'ADN de Brimstone d'être dans le cœur du groupe en défense, en attaque, pardon. Et de rentrer dedans, d'être explosif et de faire de la 4-1, par exemple. Donc, toutes les équipes qui jouent euh, super paquet, super explosif et qui veulent y aller en mode à la bagarre et tout, on te met des orbes, on a un buff, on met les smokes, on met 1, 2, trois, boum et on y va. C'est ce que veut créer euh, Riot avec le Brimstone. Avec Omen, ça va vous permettre d'être beaucoup plus individualiste, d'être beaucoup plus solo plays. C'est le smoker, je pense, qui ravira euh, toujours les mecs de la ranked. Bon, Brimstone fait plaisir en ranked. Hein. Franchement, je ne vous cache pas que j'ai joué toute la semaine là en ranked avec les smokers. Brimstone fait plaisir aussi en ranked. La balise a tout, tout son sens. Très, très très honnêtement le fait de pouvoir décaler euh, avec une mobilité euh, beaucoup plus rapide c'est vraiment très très fort mais Omen permet une mobilité que n'avait pas, euh, pas mon ami euh, Brimstone je vais prendre Omen maintenant voilà alors Omen aujourd'hui ce qu'il peut faire c'est que ça se moque arrive très très vite par rapport à avant ah, phase d'achat euh, mettre le chrono en pause oui terminer la phase en cours oui voilà, donc ça se moque arrive, boum, elle pop directement. Donc elle est beaucoup plus rapide qu'avant. Ok, son TP, dès qu'on le sort, il est beaucoup plus rapide qu'avant. Ça permet, par exemple, d'être plus agressif, de pique et de se sortir de la misère comme ça très vite. Il y a tous les bugs de poser son TP sur les maps et tout qui a été aussi modifié. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'aller prendre des TP, de vouloir aller en haut. Voilà, il y a pas trop de bugs aujourd'hui. C'est, c'est beaucoup plus rapide. Et le mec apparaît et disparaît très très vite. Sa flash également a été modifiée. Si vous avez vos, vos, vos coéquipiers qui sont là et que vous vous êtes là et que vous flashez comme ça, vos coéquipiers au contact à vous ne seront pas blancs, ne seront pas flashés. Comme pour Bridge, comme pour Bridge, quand il envoie son ulti et quand il envoie son stun, ça veut dire que euh, c'est des petites améliorations comme ça pour donner un peu de la mobilité à Omen. Il y a également son son reset smoke qui vient plus vite. Là, je le balance. Avant, c'était 45 secondes avant de récupérer ma smoke. Maintenant, c'est que 30 secondes. Ça fait que dans le round, il peut avoir 4 smokes. Donc, des smokes de contrôle map, des smokes d'isolation de, de, et des smokes d'exécution euh, potentielle. Mais ça, un... pour moi, Omen est un smoker qui est beaucoup moins collectif. C'est beaucoup du solo plays. Ça va être beaucoup des phases de jeu. Avec sa flash Avec sa smoke Prendre de l'initiative Prendre du risque Et pouvoir dégager Avec son TP Ou pouvoir dégager Avec sa flash Prendre un risque Le, maître, il est, le mec il est acculé Il flash Il TP Il s'en va D'une situation C'est ce genre d'ADN Il faut plus me parler De cet agent il est bon Cet agent il est pas bon C'est de l'ADN Ce qu'on gagne avec Brimstone On va le perdre Avec un Omen Mais ce qu'on gagne Avec un Omen ben On va le perdre Avec un Brimstone Si vous avez un joueur Qui veut lurker Avec son Omen Par exemple Et qui veut être en extrémité Et faire des plays et tout machin ou alors en, en, en défense de pouvoir avoir des plays avec des push euh, travailler sur des flash sur des setup et tout c'est possible avec un Omen pas avec une astra pas avec un pas avec un brimstone c'est un ADN qui a réussi à, à faire euh, riot attention les gars hein, c'est pas des génies riot hein, c'est pas quelque chose qu'ils ont fait là maintenant en mode ouais, les smokers c'est toujours ce qu'ils ont voulu faire c'est la même chose avec les différentes euh, euh, comment dire les différentes euh, sentinelles avec euh, Cypher et Killjoy par exemple. C'est deux ADN totalement différents. La, mo la mobilité qu'on gagne avec un Cypher, on la perd avec une Killjoy. Cypher, c'est quelqu'un qui peut mettre caméra, setup, euh, partout où il veut et se barrer. Killjoy doit être à proximité de ses trappes et ce genre de choses. C'est un ADN totalement différent qu'on veut créer avec les sentinelles. Ce qu'on gagne avec une sentinelle, on va le perdre avec une autre. Il n'y a pas de plus fort, de moins fort. C'est une histoire de style de jeu, de caractère et de ce qu'on veut proposer individuellement et pour le collectif. Pour moi, à l'heure actuelle, Astra... C'est aussi au service du collectif, c'est aussi au service euh, du, de de, 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 comment dire, de la tactique, parce qu'il y a toujours le vortex, il y a toujours le stun qui permet de faire du contrôle map beaucoup plus défini, beaucoup plus carré, beaucoup plus méticuleux, euh, qui ne peut pas être fait par, euh, par Brimstone ou par Omen. Par contre, en termes de smoker, tout simplement, les trois sont viables, les trois sont très forts, on peut prendre du plaisir. Ce qui me plaît dans cette mise à jour, c'est le fait qu'en ranked, les gens vont se faire plaisir. Avant, je faisais des ranked, il y avait 5 gogols sur le lobby. Raina, Jet, Chamber, Sage. Et moi, j'étais toujours là à prendre euh, un Sova ou je ne sais pas quoi, où je, devais, où je devais me prendre les smokes. Personne ne prenait de smokes. Aujourd'hui, le plaisir que va pouvoir être procuré par prendre un smoker fait que vous allez jouer des. Comment ça s'appelle Des ranked. Et il y a quelqu'un qui va prendre un Omen pour se faire kiffer, un Brimstone pour se faire kiffer. C'est possible. Parce qu'ils sont faciles à, à, à prendre en main. Astra reste quand même technique. Euh, je pense qu'il devrait simplifier Astra. Ça, Astra, même s'il était très fort avant, n'était pas. Du tout utilisé en ranked. Je faisais 9 ranked sur 10. 9 ranked sur 10, j'avais pas de smoker. Et une ranked, j'étais content, j'avais une Astra parce que c'était un main Astra ou un truc comme ça. Alors qu'au niveau professionnel, à haut niveau, Astra, c'était 100% des parce que c'est l'agent le plus puissant. Mais par contre, en ranked, bah, les gens ne comprennent pas la méta de la Astra, comment le développer. Et donc, ne s'étaient pas joué. Aujourd'hui, cette mise à jour va permettre tout simplement aux gens d'avoir une ranked beaucoup plus homogène et d'avoir. Euh, bah, du men du Brimstone, pique en face contre nous, pour nous, et donc ça va se faire plaisir, tout simplement. Euh, donc pour moi, les trois smokers sont très forts. Là, c'est homogène, il y a un équilibre. Il y en a aucun qui est meilleur qu'un autre. Il y en a pas, oui, machin, machin. Clairement, maintenant, quand tu es main smoker, tu vas clairement même pouvoir donner à ton équipe de dire non, mais moi sur cette map. On joue plutôt paquet, on joue plutôt en 4-1. Viens, on va sur du Brimstone. Sur cette map, franchement, euh, j'aime bien Pic. Euh, j'ai mes lignes, j'ai mes petits plays, j'ai mes petits tricks et tout. Je peux aller sur Omen. Sur cette map, frérot, le contrôle map est très important. Le zonage est très important. Les, les prises d'espace sont très importants. Viens, je prends Astra. Je te poule, je te stun. Je t'envoie de l'orbe, je t'envoie du machin et tout. Comme ça, on est carré et c'est pour le collectif. Pour moi, le joueur le plus individualiste, c'est Omen. Le joueur collectif facile à prendre en main qui va faire plaisir à tout le monde c'est Brimstone Et très explosif ce qui correspond énormément à l'ADN des gens qui jouent sur Valorant donc je pense que ça va être un master pick de fou euh, mais également au main parce que c'est pour Bait c'est très très bien euh, et Astra ça sera toujours sous pick j'ai envie de dire comme ça ça va vraiment être pas pick du tout même en ranked parce que les gens ça reste un agent je pense qui est trop difficile à prendre en main et euh... Attendez, les gars, j'ai 1000 FPS, là Quel bonheur. Regardez-moi ça, quel bonheur. Et Astra, ça ne sera pas pique parce que c'est très technique. Par contre, au niveau professionnel, ça sera toujours pique parce que l'agent est très fort et que les pros savent le jouer. Icebox, Masterclass. Euh, J'aime beaucoup euh, les changements. Par contre, j'aurais aimé euh, du changement... Euh, J'aurais aimé du changement, de l'ouverture en mid, etc. Je pense que ça va toujours être bourbier, on peut pas développer sur le mid, on ne peut pas développer sous la, sur la kitchen, on peut pas, toujours pas développer ici, ça reste très fermé, c'est très risqué. Donc je pense qu'on verra toujours les mêmes places, peut-être un peu de travail sur le mid, mais c'est tout quoi. Peut-être de la smoke ici. Euh, Monsieur Riot, si tu regardes cette vidéo, peut-être de la smoke ici pour aller travailler, mais je vais, tr je vais très peu voir des gens s'infiltrer là, aller s'aventurer ici, c'est beaucoup trop risqué. Alors que l'ouverture euh, de la kitchen de cette zone aurait vraiment permis d'ouvrir le mid. Pour moi, je pense que Icebox restera, restera au niveau de la méta, toujours ce qu'on a vu depuis euh, quelques mois, c'est-à-dire de l'exec en A, de l'exec en B, un peu de travail middle, mais du regroupement sur le A ou sur le B. J'en Je, suis persuadé. Fin de cette vidéo, fin du plaisir, fin du bonheur. Merci, euh, abonnez-vous euh, les frérots, c'est très important.